1991. C'est le nom de code du Charles de Gaulle, le fleuron de la Marine nationale, le seul porte-avions européen. Un géant des mers à propulsion nucléaire et à 3 milliards d'euros. Un véritable aéroport flottant de quelques 42 000 tonnes, capable de projeter sa force de frappe aérienne depuis toutes les mers du monde. Sa flotte aéroportée est composée d'une trentaine d'avions de chasse, des Rafales, de 6 hélicoptères, et de 2 Hawkeye, ces avions de surveillance équipés de radars capables de couvrir une zone de 500 km à la ronde, l'équivalent de la surface de la France. Le Charles de Gaulle, c'est avant tout une prouesse technologique. C'est 260 mètres de long, 40 000 tonnes, et 65 mètres de large. Personnes à bord, un immeuble de 8 étages. C'est aussi avant tout un aéroport. Il peut y avoir 40 avions sur ce porte-avions. C'est de l'énergie pour faire vivre tout ça. Vous avez une centrale nucléaire, ce qui correspond à l'alimentation peut-être d'une ville de 30 000 habitants. Ce porte-avions, c'est une prouesse industrielle. Parce que si vous regardez dans le monde, il y a quand même très peu d'industriels capables de concevoir, réaliser, entretenir un porte-avions de ce type-là.